Attention, ça pourrait devenir instable après l'explosion. Et qui s'amuse à creuser avec de la dynamite? Des mercenaires. Je croyais que Rafe avait plus de bon sens. Et Sam, viens m'aider avec ça. Oh, et si jamais c'était le seul truc qui faisait tenir le tunnel? Dans ce cas, je m'excuserai. D'accord. Tu vois? Aucun problème. Ouais, pour une fois. Quoi, t'es sérieux? Ah oui, il est... Oui, effectivement, il est sérieux. Avec son histoire, encore une histoire de glissade. Bon bah. Ok, c'était chelou. Ouais, ça devrait le faire. Intérêt à faire attention là-dessus. Hé hey, regarde en bas. On dirait bien des vieux bateaux de pirates. C'est bon signe tout ça. Très bon signe. Oh, c'est pas beau ça? Ouais. Non, on suit qu'au début. Non, non, dans la montagne. Ok, ah. Ok, tout va bien, tout va bien. Non, non, pas trop. Enfin, si, enfin, non, je sais pas, enfin, ça, moi, pour moi, ça va, mais j'ai pas arrêté de crever quand même. Oh là, c'est quoi cette texture là sur le... Le jeu était censé être beau là, c'est quoi cette texture? C'est un beau jeu, hein. Pourquoi il y a des textures dégueulasses, baveuses comme ça? Messieurs les testeurs d'enculés de vorace. Fils de pute de texteur de merde là. Réfait. Réfait. Petit, la tempête se lève, vous avancez bien?
On est sur le point d'entrer dans la grotte. La grotte? Oui, on risque de perdre le contact un petit moment. Mais t'inquiète pas. Ok, alors je reste en stand-by. Ok, on se contacte très vite. Reste en stand-by. Tiens, faut s'accrocher ici aussi. On a réussi. Ça fait un sacré détour. Allons voir ce qu'Avry nous a laissé. Ouais, allons voir. Ces enfoirés de Shoreline étaient juste à côté de cette grotte. Ouais, je crois qu'on est les premiers à aller à l'intérieur. Ouh, c'est froid. Où est-ce qu'il trouve le pognon pour voyager? Ah, attends. Allez, par ici. J'ai bien fait de pas trop manger ce matin. Nous avons donc des statues de Saint Dismas flippantes. Et des escaliers taillés dans la roche. Attends, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une grotte de pirates. Ah, mais si, on dirait bien. Approche. Viens voir ça. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le, qu'on voit. Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver. Espèce d'enculé. Je vais perdre ma main. On trouvera un crochet. L'enculé. Alors que le paradis se destine aux valeureux sorts, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un seul. De toute évidence, Avry était meilleur pirate que poète. Sauf que c'est pas d'Avry. Comment ça? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew? Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avry. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment? La bonne question. Chapitre 9. Les valeureux. Sozo, Prove, Wolty. Oh là, ça n'a rien à voir! C'est qui ces types d'après toi? Bah, ceux qui ont le cœur infidèle, j'imagine. J'ai l'impression qu'Avry ou Thomas Tew essaie juste de nous faire peur. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris. Heureusement. Moulin en haut pour les. Pour l'énergie, ascenseur, épave, coulé volontaire. Volontairement, ils ont amené le trésor ici, écoulé les bateaux pour cacher l'entrée chemin des pirates. L'emblème de Tew, qu'est-ce qu'il fait en Écosse? Alors que le paradis se destine aux valeureux, seuls les cœurs infidèles n'auront eu que qu'un linceul. D'accord. Putain, le mec, on trouvera un crochet. Il est con.
Voilà. Pour ça que je préfère Uncharted à Tomb Raider. Le pire, c'est qu'en vérité, je préfère Uncharted aux anciens Tomb Raider aussi, donc c'est pour dire. Ce pont m'a l'air aussi sûr que tous les autres. Ouais, mais il a tenu jusque-là. J'ai vraiment pas confiance. C'est vrai qu'on se faisait chier avec les anciens Tomb Raider. C'est bon, ça tient, allez. Ces ponts ne sont vraiment pas construits dans les règles de l'art. Bien sûr que si. Dans celle des pirates. Pas mal. Ok, donc il y avait un chemin ici. Regarde là-haut. Encore des voûtes taillées dans la roche. C'est pas compliqué. Le premier Tomb Raider, c'est pas assumé. Le deuxième Tomb Raider. La première version de Tomb Raider, c'est oh, pas. Non. Il reste encore des cailloux des 10 dernières glissades dans les chaussures. Putain. Oh nom de Dieu. C'est quoi leur problème à Naughty Dog? Qu'est-ce qui leur est arrivé? J'ai rien compris avec cette histoire de glissage, je comprends vraiment pas. C'est même pas stylé, enfin c'est complètement con. Enfin bref. Ok. Je fais ça comme un vrai pro maintenant. Oh là. Il m'a traversé le mec, il en a rien à foutre. Alors, est-ce que tu as construit cet endroit avec Avery? Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ah, moi non plus. C'est vrai, si Avery veut vraiment cacher son trésor, pourquoi impliquer un autre pirate? Peut-être qu'il le considérait comme un membre de son équipage. Peut-être même qu'il lui envoyait une de ses croix de Saint-Dismas. Ouais, et peut-être que Tio a pris tout le trésor pour lui. Arrête, dis pas ça. En tout cas, on va pas tarder à le découvrir. Putain, cet enculé, il est non-stop avec lui, quoi. Et il a beaucoup de dialogue en plus, hein. C'est un truc de dingue. Le mec, il a fait une Famous Second Son. Tu veux pas prendre une retraite? Une retraite, non. T'avais pas envie de prendre des vacances, connard? En tout cas, j'ai vraiment hâte de jouer au prochain jeu de Guerilla Game, là. Guerilla, je sais plus quoi, là. Ce qu'on fait truc, là. J'aurais vraiment préféré qu'ils te fassent une nouvelle licence plutôt que. Je sais plus comment ça s'appelle. Horizon. Celui-là, il a l'air vraiment bien. Au lieu de détruire leur propre licence comme des cons. Juste pour copier une autre. Juste pour copier une. Ah, merde. Pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. Ça a l'air compliqué. Je crois qu'on peut le dire. Un autre interrupteur. Attention. Ah, celui-là il est piégé par contre. Oh les enculés, celui-là il est piégé. Attends, je vais seulement lui enlever la main de là. Oh. Eh ben. On dirait un genre de test. Super élaboré. Une épreuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Il va faire mieux. J'aime bien qu'on m'ait dit ça. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le bas, là? Ouais, c'est un seau. Ok. Et maintenant? Ah, je sais pas, hein. Ah, je sais pas. Est-ce qu'elle a dû échouer?
Ah d'accord. J'ai un seau dans la main. Je sais absolument pas quoi faire avec ce seau. Tiens. Voilà, il est plein. Ok, passe-le-moi. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Voyons un peu ce que font ces roues. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. Ah bon ? C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. Voilà. Sam, est-ce que Dismas était à la gauche de Jésus ? Ça dépend. Tu les regardes de devant ou de derrière ? De devant. Alors oui, il était à gauche. Ok, c'est ce que j'ai là. De gauche à droite, de haut en bas. Nous recevons ce que nos actions ont mérité aujourd'hui. Rejoins-moi au paradis, cool. Je vais tester dans le coin. Je vais rester dans le coin. Amusez-vous bien, les amis. Mauvais larron. Jerk. Le jerk voleur. Le bon voleur. Je sais pas ce que ça veut dire, jerk. Ça doit être une expression à la con. Le saut, je sais pas. This anger you guy. Our fun. Attends, attends. Nathan, Nathan. T'es sûr que tu veux faire ça? Eh ben, plus trop. Oh, merde. Ça a pas marché. J'ai eu chaud. Vas-y, vas-y. Je respire encore. Waouh, c'était gentil. Je m'attendais à un truc plus gore. Ce qui se passe ici, c'est en rapport avec les trois croix. Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gastas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gastas. Voilà, qui m'enlève ce genre de truc là. Ok, merci. Ah mais... Cette énigme, j'ai déjà vu en Tomb Raider. J'ai vu cette énigme dans Tomb Raider. Tomb Raider Underworld.
c'est pas bon. Ah non, je suis con, moi. Faut mettre ça dans les trucs qui brillent, d'accord, ok. Ok, je suis con. J'avais pas compris. Non mais c'est bon, j'ai compris, putain. J'ai compris, putain, fais pas chier. Tiens, regarde, il y a quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau. Il y a une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors, le seau est bien là. On le laisse. Ben, je crois que c'est bon. Hein. La gauche. Attends, il est de quel côté déjà? Le gentil, le good guy. Oui, c'est bon. Attends, je remets vite fait. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Ouais. Alors, tu vois? Eh non, il n'y aura pas de Nate Kebab au menu aujourd'hui. Alors, dis-moi, si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau? Il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas, qu'Avry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. Oh, fais gaffe où tu mets les pieds. Non, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Il y a un piège ici? Il n'y a pas de piège. D'accord. Ouais, d'accord. Ok, je crois qu'on va être obligé de monter sur ce pont cassé. C'était ça. Cherchons un moyen de monter. Viens ici, je vais t'aider à monter. J'arrive. Ok, j'ai quelque chose pour toi là-haut. Tiens, tu peux te servir de ça pour atteindre les prises dans le mur. Bien vu. Suis-moi.
sûr qu'il nous facilite pas vraiment les choses. J'imagine que c'était plus facile quand tout les ponts et les chemins étaient en bon état. Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas de plafond ici. Fais gaffe à ta... Aïe! Je vais faire gaffe à ma... Ah. À la ferme. Par là. Par la lumière, par là. Ah, les catacombes. Ah, ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Rien à signaler du côté des dortoirs. À part quelques épitaphes vraiment bien tournées, rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire ? Oui, madame. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud ? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine ? Alors faites-le. En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Raif, quelque chose ressort des manuscrits ? On peut parler en privé ? Tenez-moi au courant. Bien, madame. Vous savez quoi ? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu ? Non. Pourquoi ? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait dit un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en deux jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok ? Merci. Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non ! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de mais récupérer au lieu de cette suivre croix. Mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là. Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, au juste ? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il est pas là... il serait temps de passer à autre chose. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Ou qu'il se mette à copuler. Non. Tu crois qu'elle avait raison ? Sur quoi ? Sur le fait que Raif voulait que tu viennes. Du moment qu'il ne devance pas, je m'en tape. Aucune importance. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler ? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il n'y a que nous.
C'est un peu trop haut pour sauter, à moins qu'on ait un trampoline. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh, zut. Mais attends, t'as un trampoline, toi ? J'aimerais bien. Passage là derrière. Attends. Voilà, j'envoie la caisse. Bon, on se rapproche de plus en plus de la cathédrale. Je dois dire que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Je suis d'accord. Ça a dû prendre des années à construire. Ils ont pas regardé à la dépense pour cacher ces 400 millions de dollars. Le pont est HS. Faut trouver un autre moyen de traverser. Je tente le coup. Attends, t'es sérieux, toi ? Heureusement, t'es pas plus lourd que la pièce. Ok. Je suis passé. Bon, et maintenant ? On pourrait accrocher nos cordes là-dessus. Ça devrait marcher. Je tente le coup. Je pouvais le faire, mais bon, tant pis. J'avais pas bien vu la main de Drake. Un pont, on peut faire. Bon bah, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. On peut pas passer par là. Mais alors comment on traverse ?
Par ici. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Nathan, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, et bah le nouveau test... c'est de savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. Bah, avec le grappin. Comme d'hab. Pour pas changer. Avril 1701. Que chacun sache que moi, Thomas Howard, capitaine de Dauntless, je suis un pauvre bougre crédule. Tout a commencé avec la croix, un message énigmatique de mon vieux compatriote parlant de vagues promesses de paradis. J'étais sceptique, mais l'idée de vivre le reste de mes jours à la maison sans bien savoir de quelle maison il s'agit était bien trop tentante. On ignore pas une lettre du roi des pirates. Du roi des pirates, ok, d'accord. J'ai survécu à un naufrage au large des côtes de Madagascar. J'ai survécu à l'attaque de l'Est Indiaman Pembroke. Mais je ne survivrai pas à ça. Ma jambe est cassée et mon équipage, trop lâche pour passer le pied dans ces fichues cavernes, n'entend pas mes appels au secours. Qui aurait pu imaginer que mes exploits me guideraient jusqu'ici pour mourir aussi misérablement et tellement loin de chez moi? Que Dieu lui-même te maudisse, Henry Avery, et que mon fantôme te hante jusqu'à la fin de tes jours. C'est quoi ce dessin? Ce qu'on ressent en mettant ça... Il est con. Un vieux qui te lèche la main. Oh putain. Par contre, il n'y a pas marqué... Ah si si, j'ai compris. La chose suite... Like. Il dessine bien Nathan Drake. Hein. Voilà, c'est ce qui manque à Tomb Raider. De l'humour. Pour que ça passe mieux. Pour que toutes ces conneries passent largement mieux. C'est de l'humour qui manque. Même dans Indiana Jones, il y a de l'humour. Ça se prend trop au sérieux. Elle a trop cru qu'elle était vraiment... Que tout ce qu'elle faisait, c'était réel. Là, tu te détaches un peu. Avec l'humour de Uncharted, tu te détaches. Tu sais très bien que tout ça, c'est des conneries. Tu te détaches. Alors que là... La meuf, elle se prend vraiment trop au sérieux, quoi. Ça gâche tout. Ah, il y a de l'humour, donc... Voilà, ça passe mieux. Avec de l'humour, ça passe beaucoup mieux. Ce truc en bois en forme de bascule qui a l'air bien costaud, ça devrait le faire. Tendons le coup. Et le pire, c'est que je me marre vraiment. Hein. Je me marre pour de vrai, je suis pas en train de faire... Je suis pas en train de sourire vite fait, non, je me marre. Je me marre de bon cœur. Bon, faut des fois que ça soit un peu sérieux, mais il faut un petit peu d'humour pour... Bon, quand faut y aller. Bah tu viens ou pas? Attends, arrête, tu vas pas y arriver, t'es trop bas. Bah oui, bah viens. Voilà, merci. Fais contrepoids,
Bah oui. Je t'attendais, moi, en fait. Bon, allez, c'est bon, ça ira. J'ai réussi. Super. Mais comment je fais, moi, maintenant? Bah, tu meurs. Attends, je vais jeter un coup d'œil. Cool. Cool. Bah, je suis assez dans le coin, alors. Toute cette machinerie, ça permet de bien apprécier tout le travail qui a été effectué pour fabriquer ces pièges-bancs. Arrête tes salades. Qu'est-ce que ça donne? Laisse-moi deux secondes. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Ok, super. Oh! C'est quand même plus lourd que moi. Ouais. Oh, ça tombe bien une caisse pour faire contrepoids. C'est pas beau. C'est pas beau ça. Et voilà. Hé, hey, quel vol plané. C'est bon. Merde. Je te tiens. Voilà. Merci. Encore un test de réussite. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Allez. Uncharted, c'est le... C'est le... la version aventurière de Fast and Furious. Tout ce que tu vois, c'est pas possible. tout ce que t'es en train de voir, c'est... Tout ce qui est en train de se réaliser devant tes yeux, ça n'a aucun sens, c'est pas possible. C'est juste what the fuck. Comme Fast and Furious. Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré un trésor? Ou de créer des tests compliqués. Donc soit on a loupé un épisode, soit Avery s'ennuyait à un point. Encore? Il va encore foutre sa main, hein? Bon, bah oui. Oh. Je crois que je m'y ferai jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Bien son contraire. Ok. Et donc? Ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile là. C'est la paix du roi. Absolument. Quel sale enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles? Ce con d'Avery, il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi? Le pôle Nord? Une autre planète? Nathan. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols. Et il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Avery, il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes? Oh, merde. Messieurs, la discrétion, c'est vraiment pas votre fort. Jetez vos armes. Lentement. J'ai des comptes à régler avec toi. Ça suffit de me balancer par la fenêtre? Rafe,
Rafe, répondez. Je suis au cimetière, là. Et ils sont venus là, Nadine. Je sais, ils sont juste devant moi. Quoi ? Vous êtes où ? Revenez à la cathédrale. Et suivez les trous. J'arrive tout de suite. Et les tuez pas avant que je sois arrivé. Rien vous promettre. La baie du roi. Oui, mais... où exactement ? Il va vous falloir cette croix pour le découvrir. Et puis... on n'est que deux à pouvoir vous dire comment vous en servir. Laissez-moi deviner. Vous deux ? Sinon, tu peux t'en remettre à Rafe, mais ça risque de prendre des années. Désolée pour vous, mais je suis pas venue pour ça. Apporte-moi le crucifix. C'est pas un crucifix. Quoi ? Bah, techniquement, ce qu'on appelle un crucifix, c'est... une croix qui... ouais, bon, c'est pas grave. Ne touche pas ! Merde. Sors de là, je vais te couvrir. Compris. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai réfléchi. Quoi ? Où ça là-haut ? Faut qu'on monte pour sortir. Et voilà. Non, non, non. Ça marche. Tirez sur eux. Et ça ! Merde, 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 merde. Wow. Où ça va ? Oh, joli. Merde, on a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. Ouais, coup de pied, coup de poing et on y a carrément mis le feu. Neutralisez-les ! Ah,
Ah merde. Sors-nous de là avant qu'il soit trop tard. Ouais, je m'en doutais. Tenez bon, je me dépêche, j'arrive. Non. Oh merde. T'es prié. Ça y est, on peut avancer. Non.
sniper! Vite, à couvert! Il est où le snipe? Merde, 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 non, merde! Allez. Merde! Ah ouais, d'accord. Je vais crever. J'avais pas vu le snipe, d'accord, ok. Bon, c'est quoi déjà pour changer de... Pour changer de... Merde! Pourquoi pour changer de côté déjà? Attends, il y a un bouton pour changer de côté. Ah, voilà, c'est bon. Pourquoi ils ont changé? Ils se font chier. Bah, il est où? Attends, mais... Putain, ils sont où? Ils sont morts? D'accord. Et merde. Oh merde. Je balance une grenade. Je lui tire, petit frère. Putain. Lâche, lâche. Maintenant.
pas réussi à l'avoir. Oh merde. J'ai jamais autant pris mon pied dans un gunfight que dans Uncharted 1. Et ça se confirme toujours aujourd'hui. Et que dans Uncharted 1 où je prends mon pied, c'est tout. Parce qu'il est plus facile, moins facile, je m'en bats les couilles, mais c'est vrai que c'est. Il n'y a que dans celui-là que je prends mon pied. Au niveau des gunfights. Par contre, l'humour, ça y va, son frère, il est vraiment marrant. Ça serait vraiment con de dire le contraire alors que j'arrête pas de me marrer comme une baleine. Une baleine. Les baleines se marrent pas, putain. Cours, t'arrêtes surtout pas. Cours, t'arrêtes sur. C'est à ça que tu passes tout ton temps. Mais non. Putain. Enfin, un peu. Ouais, bon, d'accord. Ouais, carrément. Allumez-les. Merde. Et oh. Oh. Attends, mais. Putain, bah oui, ça fait chier. Wow, wow, oh putain, je suis super résistant là. J'ai de la chance, hein. Ah oui, si le mec il est juste en haut de moi, ça va pas le faire. Juste au-dessus de moi, pardon. Ah, c'est bon. Merde. Encore vivant. Non, il est mort. Sam, par ici. J'ai trouvé nos cibles. Wow. Avec ça, faut qu'on dégage. Hein. Bon, d'accord. Et ça glisse. Merde, faut qu'on arrive à passer ces types. Fusez. Merde. Je cherche pas de viser. Non, 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 non,
après. Vite, Chili, décolle. Vite. Allez, dépêche. Fonce, fonce. Échappé belle, hein? De Dieu, ils ont canardé mon coucou, Nate! Heureusement, on n'a rien. Dans combien de temps on va faire Madagascar? Alors, toujours pas de trésor. T'inquiète pas. Je vois pas pourquoi vous dites ça, regardez. On est riche. De Dieu. Disons que c'est un début. Et vous pensez que le reste est à Madagascar? On a trouvé une pièce dans laquelle il y avait une carte géante de Madagascar sur le sol, alors. Ouais, c'est une bonne piste. Ça commence sérieusement à sentir la chasse au deuil, ton histoire, fiston. Le trésor n'a jamais été en Écosse, en vérité. Mais à quoi ça servait, tout ça, alors? La croix de Saint-Dismas et le reste... Écoute, je te l'ai déjà dit. À mon avis, Avery recrutait des hommes. La croix, c'était une invitation. Les grottes, c'était juste une sorte de rite initiatique. Oh, on a réussi le test, alors. Super, Victor. On a gagné chacun un cache-œil et un perroquet. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quelqu'un irait se donner tant de mal pour recruter des hommes? Il fallait bien qu'il se protège. Avery était l'homme le plus recherché de la planète à cette époque-là. Il devait s'assurer que ses recrues étaient dignes de confiance s'ils voulaient protéger leur trésor. Comment ça, leur trésor? Bah, écoute, réfléchis un peu. Thomas Tew était lui aussi un pirate d'exception en ce temps-là. Alors, qu'est-ce que ça pouvait bien lui rapporter de rejoindre les rangs d'Avery? Ce que j'en pense, moi, c'est qu'Avery n'a envoyé de croix qu'à des pirates au moins aussi fortunés que lui. Et s'ils avaient décidé de planquer tout leur trésor au même endroit? Il y aurait de quoi faire passer le putain du Gunsway pour de la petite monnaie. Exactement. Oh, bon Dieu de merde. Ok, alors, où est-ce qu'on est censé aller à Madagascar, exactement? À la baie du Roi, c'est un endroit où les pirates venaient se réfugier à l'époque d'Avery. Oh, je connais bien, c'est plutôt étendu. T'as rien de plus précis? Eh ben, la salle de la carte s'est complètement effondrée, alors... j'en sais rien. Je peux savoir ce qui te fait rire? Ceux qui survivaient à l'épreuve des grottes, les recrues. Quelle est la seule chose qu'ils pouvaient prendre avec eux? Il y a un volcan là-dessus. Et il y a aussi un volcan près de la baie du Roi. Ce qui veut dire qu'on a intérêt à se manier le train. Salut, Nate. Salut, chérie. Ouh, bah j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Tout va bien? Oui, tout va bien. Pourquoi? Bah tu sais, on voit que ça, la télé, toutes ces inondations. Peut-être qu'aller en Malaisie pendant la saison de la mousson, c'était pas une si bonne idée. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a pas facilité la tâche. Au contraire. On a eu des problèmes avec le matos, mais personne n'a été blessé. Bah, l'important, c'est que tout le monde aille bien. Alors, vous commencez à travailler demain? On doit décaler. Pas le choix. À mon avis, il va bien falloir compter au moins 10 jours de plus. Oh, 10 jours? Et pourquoi est-ce que j'essaierais pas de prendre un billet pour te rejoindre? Bon, tu sais, ça vaut vraiment pas le coup. Tout va bien, je veux dire... Les gars ont tendance à surestimer les choses. Je suis sûr que ça nous prendra moins de temps que ça. Ok, je vois. Ne précipite pas les choses et fais bien attention. C'est promis, comme toujours. Ah, désolé chérie, mais il va falloir que je te laisse. Jameson est en train de me faire signe. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ah, c'est pas sympa de la prendre pour une conne comme ça. Surtout qu'elle a fait des aventures avec toi, Coco. Quoi de neuf côté satellite, Victor ? Pour l'instant, absolument rien. J'ai perdu le signal. Hé, hey, vous savez avec quoi on perd jamais le signal? Le papier. Voilà, cette route-là, elle devrait nous mener droit au volcan. Mais ça risque de secouer un peu. En voiture, tout le monde. Ok. C'est parti.
Les 12 tours. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici ? La carte nous indique toutes les structures présentes autour du volcan. Quelques avant-postes abandonnés, et quelques tours de guet aussi. Des tours de guet ? Avery était l'un des hommes les plus recherchés au monde à l'époque. Alors s'il se cachait quelque part ici, il avait besoin de voir au loin. Et l'une de ces tours se situe pile sur le volcan. Avec le trésor d'Avery ? Croisons les doigts. Bon. Je vais faire pause parce que sinon ils vont continuer à parler comme si la Jeep était... Enfin, la Jeep était en train de se déplacer alors que... Je fais du surplace. Enfin, alors que je n'ai pas encore déplacé la Jeep. Ouais, c'est assez bizarre qui c'est là pour le coup c'est pas très sympa hein. Surtout qu'encore une fois bon déjà pas Chloé hein. Chloé j'aime bien son personnage, j'aurais bien aimé qu'il traîne avec Chloé et qu'il fasse des aventures avec elle. Attends, il y avait qui? Ouais, elle commençait déjà dans le 3, elle commençait à se dire putain, ça commence à partir en couille. Mais ce que je veux dire, d'accord, ça lui cassait les couilles, mais elle avait déjà fait des aventures avec. Mais c'est vrai qu'avec l'épisode 3, c'est vrai qu'elle commençait à dire. Quoique, attends, je sais plus, elle était dans l'épisode 3 ou pas. Enfin, si, elle était dans l'épisode 3, Elena Poisson, mais. Je sais plus, je crois que ça la faisait chier. Que Nathan il continue. Qu'elle se trouve dans... Non. Jusqu'à un moment, elle a commencé à dire « Ouais, laisse-moi venir avec toi. » Et puis la meuf, le mec, il a fait « Non, j'ai pas envie, parce que... » Voilà. Non. En tout cas, ouais, ça fait chelou qu'il fasse ça. Mais bon, de toute façon, elle va venir dans l'histoire. À un moment donné, elle viendra. Y a pas de problème, mais... Mais bon, je veux dire, le premier Uncharted, elle est là. Elle fait son aventure. Ouais, il apprend quand même beaucoup pour un con. Hein. Dans Uncharted 1, ils l'ont laissé tomber. Dans Uncharted 2... Bon, elles s'étaient séparées, voilà. Son caméraman, il est passé. Dans Uncharted 3, elle la laisse en plan. Disons que voilà, quoi. Il aurait dû être avec Chloé, ça aurait été mieux. Il aurait fait des aventures avec Chloé, ça aurait été plus stylé. Mais je sais pas, ils aiment bien qu'on soit entre couilles dans Uncharted. Entre zizi, entre pénis, entre glands, je sais pas. Des glands qui s'entrecognent, c'est. Voilà. Encore une fois, je le dis, hein, c'est pas une histoire de gonzesse, hein, parce que moi, franchement, j'adore jouer avec une gonzesse, y a pas de souci. Mais voilà, encore une fois, ça se prend trop au sérieux, ça nous a détruit une licence qui était, voilà, j'ai envie de te dire, ouais, non, là, là, oh là là, moi, j'aime pas ça. J'ai envie de te dire, encore une fois, c'est assumé. Si à la base, le personnage, l'héroïne, n'est pas une gonzesse qui aime se mettre, ses atouts en valeur, ses atouts sexy en valeur. Et qui préfère s'emmitoufler et être habillé être habillé le plus possible, ça me dérange pas. Si c'est à la base le personnage il est comme ça, mais s'il n'était pas comme ça à la base, si tu nous as fait une gonzesse avec un mini shirt, avec un corps moulant, enfin avec un haut moulant et tout, si à la base le personnage est comme ça, il faut le truc, c'est pas comme si c'était une injure envers la gonzesse, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Et qui aime bien s'habiller sexy et tout ça, qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup qui aiment bien faire ça. À la base, faut juste que ton personnage, faut que tu saches ce que tu veux dès le départ sur ton personnage. Faut que tu assumes dès le départ ce que tu veux sur ton personnage. Si ton personnage, on parle bien d'un personnage, si ton personnage est une femme qui ne s'intéresse pas, qui veut pas montrer, qui veut pas être en mode sexy et tout, si ton personnage est de base comme ça, faut le faire. Alors tu me diras, c'est un reboot, oui, mais un reboot pour faire ça, ça m'énerve. Surtout qu'encore une fois, c'est pour faire du Uncharted-like qui se prend au sérieux, pour moi, c'est de la merde. Et ça, le truc, ok, c'est un reboot, ok, on va sur de nouvelles bases. Mais si pour te faire un Uncharted-like qui se prend au sérieux, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Un espèce de jeu féministe qui se prend au sérieux. Alors que juste avant ça, t'avais Tomb Raider où la gonzesse a été à moitié sexy, mais ça ne s'assumait pas en tant que sexy, contrairement à Bayonetta qui s'assume en tant que sexy. Voilà. Mais encore une fois, si à la base, dès le départ, l'héroïne, c'était une héroïne et qu'elle était. Voilà. Et qu'il y avait un peu d'humour, parce que franchement, t'es obligé de pas lancer de l'humour dans ce genre de conneries, excuse-moi, mais. T'y crois pas une seule seconde, tu prends pas ça au sérieux, quoi. Tu peux pas le prendre au sérieux. Autant The Witcher, il y a un monde de magie, un monde tout ça, bon. Même si, en fait, il y a de l'humour dans The Witcher. Mais bon, voilà, il y a un monde de magie, tu peux l'accepter un peu plus, parce que c'est un monde de magie. Et Geralt de Rive, c'est un mec, voilà, il est surpuissant à cause des modifications et tout, donc voilà. Mais dans Uncharted, c'est un mec normal. C'est pour ça que c'est pareil pour The Last of Us. Sauf que The Last of Us, j'accepte mieux les personnages comme Ellie,
Parce qu'encore une fois, c'est un personnage qui est dès le départ comme ça, alors que Lara Croft, il y aura toujours ce relent de « Oh, Lara Croft, à l'époque, elle n'était pas comme ça, quoi. » Il y aura toujours ce délire, parce que moi, j'ai joué au Tomb Raider, à la partie PlayStation 2. Tomb Raider Anniversary, Legend et tout ça, j'y ai joué. J'ai pas joué au PS1 parce que c'est juste horrible, mais à l'époque, c'est parce que j'avais pas de PS1. Mais non, j'avais pas d'argent, mais j'ai joué et j'ai toujours ce sentiment, surtout à Tomb Raider Ange des Ténèbres, qui est mon préféré et qui est encore un gâchis, mais un gâchis, parce que enfin un Tomb Raider avec un scénario, mais gâché totalement par un gameplay pourri, un gameplay de la PlayStation 1, enfin bref, c'est horrible. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse Tomb Raider Ange des Ténèbres parce que c'est un très bon jeu. Mais c'est un gâchis parce que les mecs n'ont pas su développer bien et ont fait des feignants. Ça, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont fait des feignants, putain. Ces mecs-là ont fait des feignants parce que pour faire 5 Tomb Raider et un 6ème sur PlayStation 2 avec le même gameplay que les 5 premiers Tomb Raider, faut vraiment être la pire des salopes, quoi. Je veux dire, j'aurais pu accepter le style graphique. Alors qu'on pouvait faire mieux sur PlayStation 2, on pouvait faire mieux, graphiquement on pouvait faire mieux. Mais j'aurais pu accepter. Mais pas un gameplay aussi pourri, quoi. Pas un gameplay aussi pourri. En plus, ce qui est horrible, c'est que, à cause de ça, on n'a pas pu avoir des Tomb Raider avec des bons scénarios. Parce que Tomb Raider Ange des Ténèbres, il encule 20 fois les scénarios de tous les Uncharted. Il encule 20 fois tous les scénarios d'Uncharted. 20 fois. C'est facile. De toute façon, c'est pas très compliqué. Il les encule 20 fois avec une relation amoureuse qui naît. Qui est vraiment pas mal, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est plutôt pas mal, je sais que tout le monde s'en fout, mais en vérité, si, c'est important. Après, on en fait plein dans les films, des relations amoureuses, où là, je m'en passerai bien, parce que j'en vois tellement dans les films live que je pourrais m'en passer, j'aurais pas de problème, mais dans le jeu vidéo, c'est très très rare. Surtout que c'était une relation plutôt sensuelle, un petit peu, hein, ils étaient en train de se caresser et tout, c'était plutôt pas mal. Et c'est rare dans les Tomb Raider, c'est voir jamais, ça ne se fait jamais, et c'est pas dans les nouveaux Tomb Raider qu'on va avoir ce genre de truc. Donc c'est un peu dommage, hein. Que l'autre pute avoir une relation amoureuse, c'est clair. Donc voilà, c'est ça qui me fait chier. Mais encore une fois, bien entendu que j'ai aucun problème avec jouer avec des personnages féminins, c'est pas ça de souci. Mais je peux pas, c'est pas parce que c'est un personnage féminin, je veux dire ouais, c'est bien, c'est parfait, le personnage est parfait. Non, je veux pas, il y a des choses que je vais pas apprécier. Et le pire personnage féminin pour moi, c'est Lara Croft du reboot des Tomb Raider, c'est la pire merde de tous les temps. C'est vraiment un personnage que je n'apprécie pas, que je déteste. Et aussi, comme j'ai dit, il y a aussi Ellie, que je n'aime pas non plus, mais c'est un personnage qui passe mieux et que je l'apprécie un peu mieux. Enfin, si cette personne était à côté de moi, j'aurais mis 2 tartes dans sa gueule. Voilà, parce que voilà, mais en tant que personne, en tant que tête, ça veut dire que c'est un bon personnage, il est bien réalisé, il est bien fait. Voilà. Et tu te dis pas dans ta tête, oh à l'époque elle était pas comme ça. Non, non, dans ta tête toujours, Tomb Raider, à l'époque Lara Croft elle était pas comme ça. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Dans ta tête tu te dis, ah, cette conversation, elle était pas comme ça, putain, pourquoi vous l'avez changé? Pourquoi vous avez changé? Pourquoi vous avez donné un style plus réaliste? Encore une fois, j'y croyais à ce Tomb Raider, je me suis dit, j'y croyais. Et puis en plus, le pire ce qui me fait chier, c'est que c'est un bon Tomb Raider. Gameplay c'est excellent, gunfight, graphisme de ouf. C'est un bon Tomb Raider, y a pas photo, c'est un bon jeu, tu t'éclates. Enfin, je pense que tu t'éclates, j'ai pas testé, mais je pense que le 1, je me suis éclaté. Je parle du reboot, le 1, je me suis éclaté, donc forcément le 2, je vais m'éclater. Mais voilà, quoi, quand tu dis que c'est un bête copier-coller, quoi, ça fait chier, quoi. Là, c'est du copier-coller, je veux dire, Uncharted, ok, il prenait dans Tomb Raider, mais il avait son univers, il avait son truc à lui. Il avait sa façon de faire à lui. Là, et autant Uncharted c'était photoréaliste, même avec les premiers, mais vu que ça se prenait pas au sérieux, ça passait. Autant Tomb Raider c'était, ça se prenait un peu plus au sérieux, mais ce côté un peu limite cartoon, limite caricatural, limite avec une gonzesse qui a un mini shirt avec un body sur le corps et tout, mais qui tire dans, qui se bat dans la jungle. Voilà, tu sais que c'est du bidon, voilà. Et là, t'as ce nouveau Tomb Raider qui photoréaliste, pas d'humour. Et qui se prend au sérieux, là c'est trop. Là c'est trop. Avec une Lara Croft qui est en mode, oh, je suis trop coincé, oh là là, j'ai peur en même temps, je vais tous les tuer. C'est tellement contradictoire. Je suis toute maigrichonne, je suis tout, mais bande de salauds, je vais vous massacrer. Et elle bute tout le monde autour d'elle, tout s'écroule autour d'elle, enfin voilà, elle a Uncharted. Non, non, tu prends pas ça, ça t'énerve. Moi c'est surtout qui me fout la rage. Voilà, bon.
Mais là, sur le coup, là, ce qu'ils font à la pauvre Elena Poisson, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil parce que ça fait quand même. Dans l'épisode 1, ils ont fait un coup de pute dans l'épisode 1. Ah, c'est pas très sympa, les mecs. Hein. Ils auraient pu l'inviter quand même, c'est pas gentil. Bon, après. Voilà, c'est. Autant dans Sly Cooper que Sly fasse un coup de pute à Carmelita. C'était un vrai coup de pute, mais autant là c'est une flic, il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Mais j'avoue, c'est un coup de pute. Mais en même temps, c'est un voleur, le mec. Enfin, tu me diras, Nathan, que c'est un voleur, mais c'est différent. C'est pas. Lui, c'est un pur voleur, quoi. Il va dans des trucs, il vole, quoi. Il va pas dans des ruines, tu vois. Lui, il va vraiment dans des endroits, il vole. C'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un menteur. C'est Sly, il est comme ça. Alors que Nathan Drake, il est pas vraiment comme ça, quoi. Donc, c'est un peu dommage de la laisser sur le côté, quoi. Surtout qu'en plus, Carmelita, elle l'aimait vraiment, quoi. Elle aime Sly, s'il fait pas son truc. S'il fait pas son coup de pute, elle aime Sly. Enfin, faut vraiment faire un nouveau Sly, putain. Eh, sérieux. Faut pas nous laisser avec ça, quoi. Faut vraiment faire un nouveau Sly. Arrêtez-vous. Arrêtez de faire des Sly qui se finissent pas, et après nous dire, le prochain Sly, c'est dans 100 ans. Non, faut vraiment faire un nouveau Sly, les copains, parce que là, c'est du n'importe quoi. Nous balancer des remakes de cette merde de Ratchet & Clank qui a perdu tout son style, toute sa classe, quoi. Alors que Sly, non, il a gardé toujours son côté, il a pas changé. Depuis le premier Sly, il a pas changé. Allez, moi, je m'arrête là. Merde!